Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Accident. Alors, on est avec Blythe, les gens, et il vient de tomber alors qu'il venait de récupérer tout le stuff qu'il y avait dans son coffre juste ici. J'ai pas tombé, j'ai chuté. Chuté. C'est encore pire. Ok, les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue aussi dans un petit concept qui risquerait voilà, d'évoluer au fur et à mesure des temps. Ça fait des mois et des mois que je vous parle. Yo, ça fait une pleure, on dirait. Ça fait des mois et des mois que je vous parle d'une petite série de vidéos où je redécouvre mes anciennes maps. Et du coup là on va retrouver notre un petit peu ancienne survie les potes. Donc ouais, on est dans un hub, je m'étais donné à fond. Mais on vient de perdre la moitié de la survie soit 130 heures vu que je suis tombé comme une merde. Avec un full stuff, j'avoue. Un full arc, une full épée. Et tout ce qu'il y a avec. Bon enfin bref du coup, non. Petite intro assez marrante les gens qui est pas vraiment voulu. Sincèrement il était en train de faire le con avec son arc et tout, il a cassé le bloc, il est tombé. Ceci dit... Voilà, bienvenue dans l'aventure. J'ai fait un truc vraiment avec des plugins et tout, les gens. Alors que c'est une survie basique. Ici, on avait l'heure. Bon, c'est pas l'heure, il est 17h26 en réalité, mais c'est pas grave. Ici, c'est pour rejoindre la survie. Mais ici, il y avait surtout une salle pour, bah, tout bêtement, pour les objectifs. On avait une salle objectif. Alors, je te laisse cliquer dessus. J'en ai aucun souvenir de la salle. Oh, en vrai, elle est stylée. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait tout fait, hein. C'est... oui, merde, y'a rien. On est les boss. En vrai, les gens, no joke, c'est parce qu'en fait, j'ai fait la salle et peu de temps après, on a arrêté de jouer. Du coup, on s'en est vraiment jamais occupé. Mais enfin, du coup, voilà les potes. Vraiment, je m'étais donné à fond dans cette aventure, je me rappelle. Et bah écoute, je te laisse revenir au hub. Du coup, les potes, on va pas perdre de temps, on va retourner dans la survie. Alors, pour expliquer les gens pourquoi son stuff était dans le hub, parce qu'en fait, à l'époque, il avait des comptes premium pas très legit, on va dire. Et du coup, fallait qu'il... En fait, on avait peur que le compte soit supprimé ou alors que le pseudo soit changé à chaque fois. Et du coup, bah, on mettait son stuff dans le hub à chaque fois qu'il partait. Moi, j'ai pas mon stuff. Je sais pas où il est. C'est un peu chelou, mais bon, c'est pas grave, Osef. Ok, Tessie. Bon, du coup, tu spawns dans ma maison, c'est un peu triste, mais on va commencer par là, c'est pas grave. Et en vrai, les gens, nos skins, je les trouve assez stylés. Ouais, parce qu'on utilise en fait le texture pack de Sortex. C'est le texture pack qu'il utilisait, comme moi j'ai pas de texture pack, bah du coup je l'ai pris au moins pour la vidéo. On va voir vite fait ce qu'on a dans les coffres, enfin ce que j'ai, parce que ça c'est ma maison, on va aller voir la maison de Blythe après. Option, vidéo setting. Ah ouais putain, moi les vidéos setting elles sont pourries. Je suis à 7 de render distance, bah je vais mettre très clairement vers 15. Le max framerate je vais mettre en illimité. Bah j'ai une petite notif les gars, on fait de la petite pub gratos, il y a des pizzas à 5€ chez Domino's aujourd'hui, profitez-en. Ok, bon là il y avait un peu de stuff vite fait. Là j'avais du stuff de protection. C'est vrai qu'on avait un double stuff et du coup je mettais ça ici. Oh, on avait eu ça mec. C'est ça qu'on chopait dans les manoirs je crois. Ah oui c'est vrai, la vache. Le totem d'invisibilité ou je sais plus quoi. Ah oui, je me rappelle de ta baraque. C'est bon. Je suis désolé mais je la trouvais dégueulasse. Bah en fait c'est que je voulais juste faire un truc petit et efficace. Et en vrai moi-même hein, je la trouve pas incroyable hein. Que je suis désolé cousin, mais avoir une enclume pour le repassage et des vies à côté. Mais oui, non mais putain, il est insupportable. Bon, on sort ? Bonjour. Vas-y. Mais oui, c'est vrai ! Je me suis pas du tout fait de casa de bourgeois. Hein. Vas-y, viens, on y va, viens, on y va. Je suis en train de voir des trucs là-bas. Et les gens, du coup, comme je vous expliquais, on avait des plugins. Et du coup, on avait un plugin de boîte aux lettres. Tiens, on va là ici avant. On va où ? Là, je me fais attaquer. Oh, mec, okay, regarde. Quand t'as des, quand tu saignes, enfin quand tu prends des dégâts, tu saignes. Regarde, marche. Ah ouais. Oh la vache, t'es mal, y a un squelette cheval. Oui, mais oui, c'est ce qu'on avait récupéré. À... J'avais trouvé ça vers le fond là-bas. Et du coup, on avait récupéré des chevaux squelettes, plein de trucs comme ça. Ah oh, putain, mec. Rappelle-toi, ça va te dire un truc. Te rappelles quand je faisais des courses de bateau à slide tout seul? Et même, oui, tu te rappelles, ça c'était au tout début de la survie. Même t'as mis des vieilles barrières dégueulasses. Et à la fin, on a mis des planches, ça semblait plus naturel. Parce que les barrières dans l'eau, tu sais, ça faisait un trou d'air tout autour. Attends, viens, on va voir le pont là-bas. Les gens, c'est totale découverte. Hein. Là, il y avait un petit pont. Et ici, en fait. Oh ok, wow. Le feu de camp, gros. Tu mettais ta tranche de steak, tu mettais un coup de briquet, je crois, ça. Et en gros, de mon souvenir, je crois, t'avais vraiment accès au coffre et tu peux vraiment dormir. Là, on peut dormir ici. Ah, je peux m'asseoir. Refaire. Yo. Est-ce que tu voulais voir ton bateau que t'avais fait, gros? Avec plaisir. De mon On pouvait s'asseoir sur les escaliers, gros. Eh, viens voir, eh. T'es mal levier. C'était genre le truc à l'abordage. Mec, oh. Le seul truc que ça bouge, viens voir, c'est une lampe qu'il y a devant moi.
En fait, c'est un bateau qui venait tout droit. Ok. Et là, du coup... Oh, mais les gens, ce bateau, en vrai, il était incroyable. C'est on pas a tout fait ça. Si. Ouais, je me rappelle plus tout ça. Les vitres aussi. Moi, là, on voit surtout de loin ma première maison... Viens voir. Ma première maison et ma deuxième maison full Bourges. Oh, il y a une autre maison derrière. Mais rappelle-toi, j'étais en construction. Et en attendant, je t'en mets dans l'autre. De mon souvenir, en plus, on venait de découvrir la concrete. Et du coup, il fallait mettre de l'eau pour que ça devienne un bloc solide. Parce que sinon, c'était un espèce de sable multicolore. Derrière chez moi, j'ai fait tout un plan. Ok. Oh la vache. Et là, il y avait l'espèce de coffre. Mais de fou. Et je me rappelle ce que je faisais. Je mettais un seau d'eau vers le fond. Et comme ça, tout venait vers moi automatiquement. Copule. Oh, les moutons de toutes les couleurs. T'es où? Je viens de descendre là où t'étais. Ah yes. J'étais en train de t'attendre. Et c'est là où j'ai fait les moutons de toutes les couleurs. Bon, il manque des mais moutons mec, à certains endroits, j'ai l'impression. Si, si, si. Ça me dit un truc, mais ça, c'était toi qui l'avais fait. Hein. Ça, oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, et de mon souvenir, j'avais même trouvé l'idée chez Sifano. Ah la vache, ils m'angoissent de ouf leur visage. Ça va? Ah! Ton texture pack, il était chelou, mec. Oh, mais par contre, l'épée, elle est stylée. J'avoue, ça fait vraiment une que je l'ai dans la main, mais je la trouve stylée. On va où? Bah, est-ce qu'on va chez toi? Parce qu'après, je crois, les derniers trucs, c'était derrière... Ah, on n'avait pas fait un camp où il y avait plein de villageois qui nous troquaient des trucs? C'était genre, moi qui avais fait ça, ouais. Je m'étais fait chier à faire ça pendant plein de nuits blanches. C'est quoi, ça, déjà, là? De quoi? Viens. T'es où? En haut, du camp. Au niveau des villageois? Bah, je suis devant, là. Je suis au cochon. Au cochon. Je suis là, en face. Ouais, je te vois. C'est ça? Attends, cette maison-là? Attends, le truc qui est juste devant nous, ici où je suis, c'était la maison des clébards. Et ça, c'est la dernière maison que t'avais faite, celle-là, là. Ça me dit un truc, mais oui. Tu sais que... Non, tu peux pas l'ouvrir, c'est juste de la déco. Tiens, rentre ici. Ça, c'était toi qui avais fait ça. Au final, tu l'as juste fait comme ça pour le plaisir et après t'as arrêté. Regarde les items, des plugins, incroyable. Ah, ok, j'ai clairement commencé. Ah ouais, putain, la vache. Oh. T'as envie, on monte? À mon avis, y'a que dalle, hein, mais... C'était tellement... Oh, j'ai fait ça quali, hein. Mis à part le bleu... Bon, après, c'était... C'était bien évidemment des maps qu'on trouvait en... Les tutos YouTube, je me rappelle. Ok, viens, on va voir tes deux autres maisons. Ouais. Et après, on va aller voir le village. Et de mon souvenir, il y avait aussi... Oh mec, je viens de me rappeler un truc. Les fermes de squelettes et de zombies. Ouais, ça. Avec tout ça. Le système de l'eau et tout. C'est tout au fond là-bas, gros, je me rappelle. Attends, on ira après. Scooby-Doo. Oh. Mais Scooby-Doo. Oui, c'était mon clébard. Putain, trop de souvenirs. Ok. Oh mec, Mending. Oh mais Mending, c'était pour... Ouais, putain, je me rappelle. Là, je me rappelle, c'était un coffre. Attends, il y a écrit quoi dessus? Tiens, un cadeau, j'ai ultra galéré, 5h30 de minage, 48 levels. Bon, après, t'as mis plein de merde dedans. Fort tes coffres. Ok. L'Under Chest où j'avais aussi des trucs, par-ci, par-là. Par contre, j'étais l'organisé, hein. Ta maison. Oh non, on voit pas les têtes à cause du texture pack. Oh, mec, la tête de Beacon 8. Oh la vache. Oh, ça, j'ai du diam, ça. Ouais, on avait toujours une petite chambre où on se mettait du diam, c'est un petit truc. Le jour où je t'ai cassé les couilles, t'avais un deuxième lit ici déjà. Je t'ai mis genre des milliards de poules, gros. T'es revenu, tu m'as hurlé dessus. Ouais, y'a des chances. Tiens, vas-y, viens, on va à l'étage. Oh, je m'en rappelle tellement, gros. Où t'as voulu mettre toutes les armures en mode genre. Ça, je m'attendais à 100%. Oh, les chiottes. Mais j'étais ravagé. Tiens, viens, on va voir l'autre maison et après on va voir la salle des coffres. Les gens, des frissons, vraiment, je peux pas mentir. Attends, va dormir. Tiens, va chez toi et moi je vais chez moi, on va dormir. Petit champ à côté. Ouais, il y avait un petit champ et tout. T'avais fait ça au tout début de la survie, tu t'étais jamais occupé. Pause. Petit rappel de Blythe. Bah, j'ai une petite notif, les gars, on fait de la petite pub gratos. Il y a des pizzas à 5€ chez Domino's aujourd'hui, profitez-en. Ok. Donc là, il y a ça, cette maison. J'avoue, cette maison, elle ressemble beaucoup trop. T'avais rien fait, je me rappelle. C'était ici là, on découvrait qu'en fait quand tu mettais de l'eau ça faisait des blocs solides. Parce que sinon ça, il y avait une gravité. C'était de la powder, je sais plus quoi, de la concrete powder ou une connerie comme ça. Juste pour me défendre, j'avais mis des lampes partout pour éviter que ça spawn. Ouais, les torches. Ah ouais, j'avais rien fini. En fait de l'eau c'était plus beau. Ouais, mais je t'ai dit mec, t'avais commencé et après on avait arrêté de se côtoyer, je dirais. Alors les gens, je précise, on n'avait pas arrêté de se parler parce qu'on se détestait ou quoi. C'est juste que bah lui, forcément il avait ses études.
Moi, j'étais à l'époque, je crois, j'étais boulanger. Ouais, c'était. Putain, ça remonte. Hein. Alors. En vrai, ça a jamais bougé non plus. Hein. Genre, c'est juste. Bah, on a fait une grande pause de jouer ensemble, c'est tout. Ouais, tiens, vas-y, viens, on va voir la salle des coffres. Eh, la vidéo touche déjà à sa fin. Donc, si tu veux la suite, abonne-toi, ça arrive très très vite. En plus, on va découvrir notre ancienne salle des coffres, nos anciennes fermes à mobs, nos fermes et machines à redstone, le marché entièrement custom. Bref, abonne-toi pour pas louper cette dinguerie. Et puis, laisse le like si la vidéo t'a plu, et dis-moi en commentaire le build que t'as préféré dans cette aventure. Et moi, je te dis à bientôt!